Good morning, Alei, Den les sous aujourd'hui le Nishmat, Chaya Esther, Bat Miriam, ainsi que le Fouat. Olivier sera le Nishmat de Chaya Esther, Hamchat Miriam, Bat Roselena, et Binibin, Ben Chumiva, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet et Rouvin, Perek Vav, Mishnatet. Shtei Chatserot, Zo, Lifnim, Mizo. Erva Apnimit, Velo, Erva Achitzona. Apnimit, Muteret. Vachitzona, Asura. Achitzona, velo hapnimit, shtehen asurot, erva zolatzma, vezolatzmo, zoum muteret bifne atzma, vezoum muteret bifne atzma. Rabbi Shimon Oser, achitzona, shitrisat aregel osarta, vachachamim omrim, en drisat aregel osarta. On commence à traduire directement, on continue à parler bien sûr du eruv chatzerot, avec à présent un cas de figure de shte chatzerot, deux cours. Zo lifnim mizo, une à l'intérieur de l'autre. Soit, de la rue, on commence à entrer dans une première cour partagée par trois habitants, trois maisons, mais au fond de cette cour, il y a une porte qui donne à une autre cour, et dans cette autre cour, il y a encore deux habitants, d'accord? Retenez comme ça, on va dire les trois et les deux, on va se comprendre, ce sera plus facile pour parler ensuite. Donc d'accord? On a donc deux cours, une à l'intérieur de l'autre. La question de savoir, peut-être je rappelle d'abord une première halakha. Lorsqu'on est dans une cour, qu'on veut faire un eruv chatzerot, on veut s'associer, il faut nécessairement que tous les habitants de la cour s'associent entre eux. Et s'il y en a un qui ne s'associe pas, il interdit à tout le monde. Donnée claire et connue de tous, j'espère, le bulletin. D'accord? Si on est trois habitants, il faut que les trois donnent leur érouve. Il y a trois maisons, chacun doit donner son érouve. Et la question en fait de notre Michel est de savoir quel est le rapport des habitants de la cour interne par rapport à la cour externe. D'accord? C'est le grand sujet. Est-ce qu'on va considérer que c'est une grande cour, donc en fait il faut que les deux de l'intérieur cotisent avec les trois de l'extérieur? Ou est-ce qu'ils sont à moitié communiques? Est-ce que, si toutefois, est-ce que les habitants de l'externe, ils ont un rapport avec ceux de l'interne aussi. Ils pourront interdire chez eux, qu'il faudrait mettre éventuellement faire un érouv à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est sur ça qu'il va y avoir quelques discussions. Je commence à traduire le cas. La Mishnah va être relativement facile. Il y a trois avis dans la Mishnah. Deux avis qui sont relativement faciles, et un avis, pour notre bonne chance, c'est la halakha qui va être établie comme lui, qui est une autre paire de manches, expliquer Bezrat Hashem, on va l'expliquer. Donc on revient, on recommence. J'étais Chatzerot, Zol et Fini Mezo. Il y a deux cours, une à l'intérieur de l'autre. Bien sûr, bien évidemment, la plus interne, elle n'a aucun autre accès au Reshut Arabim, à la voie publique, si ce n'est en passant par l'externe, d'accord? Si elle a un autre accès, alors chacun, il a... Le fait, ça ne s'appelle plus que c'est deux cours, une interne ou l'autre. Les deux, elles sont externes et elles sont internes. Ça s'appelle deux cours qui ont une porte qui communique entre eux, mais chacune, elle peut sortir sur le Reshut Arabim. Là, on parle que celle de l'intérieur, on ne peut atteindre l'intérieur qu'en passant par l'externe. Alors, maintenant, la Mishnah m'enseigne comme ça. Erva Apnimit, si l'interne a fait son Eruv, Velo Erva Achitzona, et l'externe n'a pas du tout fait de Hérouv. Les deux, ils ont fait un Hérouv, et les trois n'ont rien fait. Alors la Mishnah m'enseigne, Apnimit Muteret Vachitzona Sura. Tout d'abord, l'interne, elle est permise. L'externe, elle devient, elle est interdite parce qu'elle n'a pas fait de Hérouv. Il y a un chidouche dans notre Mishnah, qu'en fait, déjà, qui commence à nous poser un premier axiome, qui nous dit attention, c'est pas une seule grande cour, les cinq. Il y a une cour de trois, une cour de deux. La cour de deux, eux, ils peuvent fermer leurs portes à ceux de l'externe et leur dire vous mettez pas les pieds chez nous, donc c'est bien la preuve que la cour interne, c'est un domaine indépendant de l'externe. Donc, si toutefois l'interne a fait un érouv indépendant des deux ensemble, et les trois n'ont rien fait chez eux-mêmes, l'interne, elle est permise. On continue avec maintenant le cas inverse. Achitzona velo apnimit, il faut mettre en facteur le erva. Erva achitzona velo erva apnimit. L'externe, elle, a fait le Hérouv, mais l'interne n'a pas fait le Hérouv. Donc on a les trois qui ont fait leur Hérouv, eux, mais les deux de l'intérieur n'ont pas fait leur Hérouv. Donc maintenant, la grande question. Est-ce qu'on va dire, ah, les trois, c'est les trois habitants de cette cour-là, eux, ils ont rien à se reprocher, ils ont fait leur Hérouv, ils se sont associés, ils peuvent porter de leur maison jusqu'à cette cour externe, même s'ils ne pourront pas aller dans l'interne, et l'interne ne les dérange pas. Est-ce que oui, est-ce que non? C'est la grande question. Et la Mishnah m'enseigne un premier avis, attention, parce que ça discute ensuite. La Mishnah me dit « Shte Nasurot !» Les deux deviennent interdites.
D'accord? Ce premier avis, d'abord on va poser la fois d'après on expliquera la logique à ça. Ce premier avis me dit, ben tu sais quoi, les dalles deviennent interdites, étant donné que l'interne, elle n'a pas fait de hérouve, elle a l'habitude de passer, elle passe nécessairement par la cour externe, donc l'interne appartient à l'externe. Les habitants de l'intérieur ont quelque part, apparemment, leur mot à dire sur la cour externe, ils sont aussi quelque part associés avec eux. Donc du coup, dans l'externe, par rapport à l'externe, ils sont pas trois, ils sont cinq. Chacun, même ceux de l'interne, doivent théoriquement donner leur cotiser pour pouvoir permettre l'externe. On apprendra dans quelques lignes, ce n'est pas exact, mais pour le moment, je le présente de manière assez grossière, sans rentrer dans les détails, en disant que puisque moi qui habite tout à l'intérieur, j'ai l'habitude de passer par chez toi, eh bien, ça s'appelle que la cour externe, c'est aussi ma cour. Donc, si je cotise pas avec vous, je vous l'interdis. Et c'est pas exact en réalité, parce qu'elle va tout de suite contredire ça. En mentionnant un nouveau cas original. Erva zoleatsma, vezoleatsma. Maintenant, on parle de que les cours ont fait, les deux cours ont fait chacun un hérouv indépendant. Les trois ensemble, les deux ensemble. D'accord? Et la Mishnah m'enseigne, Zo Muteret Bifinatsma, Vezo Muteret Bifinatsma. Chacune, elle sera indépendante, permise. Apparemment, les lois se contredisent. On va expliquer après, mais d'abord, on explique bien ce qu'il y a écrit dans cette halakha, après, je le compare avec la précédente, et on continue dans la Mishnah, et puis après, on reviendra dessus. La Mishnah me dit comme ça, il y a l'interne qui a fait son hérouv indépendant, l'externe qui a fait son hérouv indépendant, bah, tout le monde peut porter. Ou l'interne à l'intérieur, mais ils ne pourront plus prendre leurs affaires et les faire passer dans la cour externe. Mais à l'intérieur de la cour interne, faire sortir des maisons de l'intérieur, ils pourront faire sortir dans la cour interne. Pourquoi? Ils sont déconnectés de l'externe. L'externe, ils ont fait tout seuls leur hérouv, les trois ensemble aussi. Les trois habitants d'ici ont fait leur hérouv. Ah, les gens de l'intérieur ne se sont pas associés. Pourquoi ils ont besoin de s'associer? Les deux cours sont distinctes. Donc nous, on a fait notre hérouv à part. Un autre habitant d'une autre cour, il n'influence pas chez nous. Bien sûr, vous constatez comment ça se contredit. Parce que juste avant, on a dit que les gens de l'intérieur peuvent interdire sur la cour externe s'ils ne s'associent pas avec eux. Dans le cas où personne n'a fait le hérouv à l'intérieur et que les externes ont fait leur hérouv, les habitants de la cour externe ont fait leur hérouv, eh bien, les habitants de l'intérieur leur interdisent. Parce qu'en fait, le fait qu'ils passent, on considère qu'ils sont quelque part aussi associés. Alors maintenant, une question de base. Les gens de la cour qui habitent dans la cour interne, ils sont associés dans la cour externe ou pas? Au début, tu me dis que oui, puisqu'ils peuvent interdire. Et puis après, ouais, puisque tu m'as dit que s'ils n'ont pas fait eux deux hérouves, alors que les externes ont fait leur hérouve, les gens des habitants derrière vont interdire. Donc, ça s'appelle qu'ils sont aussi associés dans la cour externe. Et après, tu me dis le contraire. Tu me dis que lorsqu'ils ont fait eux leur hérouve indépendant, les habitants de la cour intérieure on fait leur hérouv indépendant et les habitants de la cour externe ont fait leur hérouv indépendant aussi, eh bien les habitants de l'intérieur ne vont plus interdire la cour parce que ben, ils sont pas associés avec eux, ils n'habitent pas à l'extérieur. Donc, pardon, deux mots, est-ce qu'ils sont associés ou non dans la cour externe? Il y a une certaine contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans l'état, il y a une halakha très particulière. Je vous la dis même tout de suite, même si vous n'allez pas la comprendre forcément. Même moi, je ne vais pas la comprendre de toute façon après, c'est assez subtil pour ma tête. En tout cas, mais il y a une idée qu'en fait le principe, il va me dire que s'il y a une personne qui n'a pas le droit de porter dans sa cour personnelle, alors son interdit va s'extendre, va s'étendre même, s'expandre, s'étendre, va s'étendre même sur la cour externe. Si j'ai le droit de porter chez moi, je ne dérange plus les gens de la cour externe. Si j'ai pas le droit de porter chez moi, alors le fait que j'ai pas le droit de porter chez moi va s'étendre même sur la cour externe en disant que je n'ai pas le droit non plus de porter là-bas. Regel a oser bimkoma, oser shelo bimkomo. Un pied qui est interdit dans son cours, dans son endroit, il va interdire même à l'extérieur de son endroit. Tandis que regel a muteret bimkoma, et non ser bimkoma. Un pied qui est permis chez lui, il va plus interdire à l'extérieur. D'accord? On reviendra, on essaiera d'expliquer un petit peu mieux cette halakha. Pourquoi est-ce que je reviendrai après? Parce que lorsqu'on va d'abord voir le découvrir dans les deux prochains avis, alors on va bien définir les deux pôles, les deux manières de considérer la situation. Et après, on pourra expliquer pourquoi ce premier avis qui, comme on dit en hébreu, roked al shtar hatonot, il danse aux deux mariages en même temps. Il a posé entre deux chaises. Et les Français, ils ont toujours des expressions grossières pour dire ce que les Juifs disent de manière très propre.
En hébreu, on danse, enfin, deux mariages, et chez les Français, on pose son derrière entre deux chaises. D'accord? Chacun sa manière de parler, chacun son référentiel. Et je continue. En tout cas, on a maintenant les deux situations. Ok. Maintenant, on a Rabbi Akiva Oser, Achitsona. Shedrisataregel Osarta. Rabbi Akiva me dire non. L'externe, et ben même lorsque les habitants de la cour interne ont fait leur Hérouve, et les habitants de la cour externe ont fait leur Hérouve. Sache que les habitants de la cour externe ne pourront pas porter. Pourquoi? Parce que les habitants de l'intérieur vont la déranger. Rabbi Akiva, lui, c'est clair. Ça prête pas à confusion. Il considère que puisque moi j'ai l'habitude de passer dans cette cour ici, là, c'est par là que je passe pour aller chez moi qui habite à l'intérieur, je suis aussi associé ici. Et j'ai mon mot à dire, je dois faire le hérouv avec vous. Si j'ai pas fait le hérouv avec vous, vous ne pourrez plus porter. On pourra, nous les habitants de l'interne, on pourra porter, parce que vous ne les dérangez pas, vous n'avez rien à faire chez nous. Vous n'avez pas l'habitude, si vous voulez, on vous ferme la porte, on met un code et vous ne pourrez plus rentrer chez nous, vous n'avez rien à faire. Mais nous, on est obligé de passer par chez vous, on a un droit concret de passer chez vous, on est associé avec vous dans cette cour, on a notre mot à dire, et si on ne s'associe pas avec vous, eh bien on vous l'interdit. Ok? Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et Chachamim, là, on a un super Chachamim, en fait, qui dit une phrase assez floue, que la Gemara l'explique comme le Bartendon, il dit comme ça, Chachamim me disent, Endrissa taregel au sartin. Le fait de marcher n'interdit pas. Mais en fait, comme dit le Bartendon, dans tous les cas, même lorsqu'on n'a pas fait de hérouv, Chachamim, ils sont à l'autre extrémité de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit, puisque les habitants de notre cour interne passent par l'externe, alors ils habitent dans l'externe, ils ont leur mot à dire, ils interdisent s'ils ne s'associent pas. Chachamim te disent, c'est quoi t'as ton mot à dire? Si tu veux faire ta lessive, t'as le droit de venir dans la cour? Pas du tout, t'as rien à faire ici. Juste tu passes et tu dégages. T'as rien à faire ici, tu traînes pas. C'est un lieu de passage chez toi. Être un lieu de passage, ça ne te définit pas comme associé. T'es pas associé, t'es un invité, t'es un coup de vent qui passe. Donc, tu vas pas interdire la cour. Selon cet avis-là, de Chachamim, même si la cour externe fait un hérouv indépendant, et la cour interne ne fait rien du tout, les habitants de la cour intérieure n'interdisent pas sur la cour externe, parce qu'ils n'habitent pas dans la cour externe. Ce n'est pas des habitants d'ici. Ce n'est pas des habitants, c'est quoi? C'est des gens qui passent tout simplement, mais ils ne sont pas associés. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre quelque chose maintenant, on va pousser un petit peu plus pour ensuite revenir sur la complexité du premier avis. Et comme je vous ai dit, la halakha, elle est comme le premier avis. Il finit le Bartendon comme Tanakama. Pour le moment, on commence. On a un problème de comment considérer le fait qu'il y a des habitants de la cour intérieure sur la cour extérieure. Il y a deux manières de regarder la scène. Soit Rabbi Akiva, soit le dernier Chachamim. Soit tu dis, écoute, puisqu'on passe toujours ici, alors on est associé avec toi. Donc, il faut absolument qu'on s'associe avec toi pour faire le Hérouv. Et si on ne s'associe pas, on t'interdit tout. Ou soit, au contraire, on va dire non, finalement, on n'est pas une grande cour. C'est pas vrai, on n'est pas une grande cour. On est deux cours indépendantes. On est deux cours indépendants, donc finalement, chacun vit sa vie. Le fait que je passe par chez toi pour pouvoir sortir dehors, ça s'appelle que j'ai un droit de passage chez toi, mais je ne suis pas un propriétaire chez toi. Donc du coup, le principe du hérouv, en fait, c'est que les maisons des particuliers, quand ils vont se partager un domaine public, un domaine aussi privé, mais qui est partagé entre plusieurs particuliers. Alors il prend un statut d'un petit peu public, alors on te demande de lui faire un hérouv. Mais, d'accord? C'est le principe général du hérouv. Mais non, qui est concerné par cette halakha-là, que le fait que tu habites ici, ça va transformer la cour en un lieu public, ça ne concerne que celui qui a un vrai droit d'utilisation de la cour, de pouvoir poser ses courses, faire entrer sa voiture pour la laver, faire la lessive, faire ce qu'il veut, je sais pas, ouais, tout ce qu'on pouvait faire dans une cour. C'était très fréquent, entre parenthèses, les utilisations de cour à l'époque. Le premier Rachid de Babata, il dit, Ikar Tashmisham, tout ce qu'ils faisaient, c'était dans la cour. La maison, c'était une chambre pour dormir. Comme nous, on a le salon, on fait tout dans le salon. Eux, ils avaient comme ça, ils avaient la cour à l'extérieur de la maison, c'est là-bas où ils vivaient essentiellement. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, on a deux approches nettes. Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva, il te dit, ben, puisque tu passes constamment là-bas, tu as un droit de passage là-bas, tu es aussi un propriétaire. Chachamim, ils disent, un droit de passage, c'est pas assez conséquent pour te définir comme propriétaire. Et là, on revient sur Tanakama. Tanakama, alors là, il nous fait des misères. Il est dur à comprendre. Il a une définition, la définition elle est claire, on peut la retenir. Regel, si jamais il nous dit comme ça. En réalité, il nous dit comme ça, Tanakama. La question, c'est de quel sens l'approcher. Je préfère l'approcher, mais mettre que
J'ai du mal à comprendre, à manipuler cette notion. Donc, je vais vous expliquer ce que je comprends. J'espère que je ne me trompe pas. Le point de départ, il est comme ça, que Chachamim te dise, c'est vrai qu'en théorie, vous êtes deux cours indépendantes, t'as pas lieu d'interdire. De ce fait, c'est pour ça que la halakha te dit, si toi t'as fait le rouv chez toi et l'autre il a fait le rouv chez lui, c'est bon, quoi, les externes ont fait leur érouv indépendant, et les internes ont fait leur érouv indépendant, et ben, il y a ici deux cours distincts. Il y a deux cours distincts, il n'y a pas un lieu de passage ne va pas poser de problème s'il ne s'est pas associé, t'es pas un vrai propriétaire, t'as juste un droit de passer pour. T'as le droit de passer chez moi pour pouvoir monter sur l'échelle, pour pouvoir aller sur le toit. T'es pas un habitant de chez moi. Ça, c'est clair. Même principe. T'as le droit de passer ici pour pouvoir sortir dehors, mais t'as pas le droit de traîner, de commencer à faire tes. Donc t'es pas un habitant d'ici. Mais malgré tout, t'as quand même un petit problème. C'est que t'as quand même une certaine présence dans cette cour-là. Alors, lorsque ta maison, elle n'a pas le droit de sortir dans aucune autre cour. Alors là, on va prendre, on va dire, ah, t'as pas le droit de sortir de chez toi dans ta cour. Donc en fait, dans ta propre cour, parce que t'as pas fait de hérouf. Donc t'es déjà un régel au seret bimkoma. T'as déjà ton pied qui est interdit à ta place. Ta maison, c'est devenu maintenant une maison qui, dès qu'elle franchit le seuil de sa porte, alors elle a ici devant Rechout HaRabim. Partout où va s'étendre ton droit de passage spécifique, que tu as un vrai droit de passage, alors puisque tu as un. Alors on commence. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans cette cour, tu n'as pas le droit de porter de chez toi à cette cour. Donc on considère que ta maison maintenant, elle interdit. Eh bien, puisqu'elle interdit, alors on va étendre davantage l'interdit, même sur. Partout où tu auras un droit de passage pour sortir dehors, d'accord? Il y a je vous ai dit, une notion subtile que personnellement, j'ai réfléchi dessus, même quand j'ai fait la Gemara. Il y a quelque chose qui m'échappe, j'ai pas réussi à comprendre la profondeur pourquoi les choses sont comme ça. C'est-à-dire pourquoi? Ah, si déjà tu commences à interdire chez toi, alors on va étendre l'interdit même sur l'autre cour. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Et voilà, en tout cas, la Mishnah l'a expliqué. Bon, Hachem, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.